Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Quest XI, les combattants de la destinée, pour voir où trouver les recettes des sabres, des limbes, des lances de démons, des fouets de démons et des queues de diables. Et pour ça, on va se rendre dans le donjon du château d'Héliodore, qui n'est accessible qu'une fois que le château a été envahi par les démons, et que bah, c'est l'apocalypse partout dans le monde. Et seulement à partir de ce niveau d'aventure, vous aurez accès à ce donjon. Vous avez simplement à vous y rendre jusqu'à accéder à cette carte qui est Château d'Héliodore, un niveau inférieur. Et à partir de là, suivez bien la minimap qu'il y a en bas à gauche de mon personnage, ici. Donc le donjon est juste là, on est allé dans la pièce qui est juste là. D'accord, on a fait une ligne droite. Donc là, on est dans la chambre de Jasper. Évidemment, on récupère le coffre rouge. Il y a une épée de platine. Et le coffre qui nous intéresse, il est tout à droite. Ceux qui sont à gauche ne servent à rien. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a des livres qui servent à rien dans le jeu. Et là, on va venir très vite à trouver un livre intitulé Démons, je sais plus quoi. Et on obtient les sabres des limbes, les lances de démons, les folies de démons et les queues de diable. Alors, je vais essayer de revenir un tout petit peu en arrière. Démons et merveilles, le livre. Et bah écoutez, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas, les commentaires sont là. N'hésitez pas à vous abonner ou à me soutenir sur Tipeee, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!